Avec mes coéquipières Léa, Lilo, Victoire, Léa et moi-même, Clémence, nous allons vous présenter la maison de Christophe et son savoir-faire dans l'orfèvrerie. Présente lors des beaux moments de chaque vie, la maison de Christophe, fondée en 1830 par Charles Christophe, a fait de son cœur de métier l'orfèvrerie au travers de l'art de la table, de la joaillerie et de nombreux autres produits à l'international. Elle fait également partie des maisons fondatrices du comité Colbert depuis 1954. Christophe, c'est 5 univers de produits aujourd'hui. Il y a toujours la table, vous avez la décoration, les bijoux, l'enfance et pareil cocktail. C'est vraiment Christophe qui a, on va dire, pas démocratisé, mais qui a permis d'argenter des pièces sans que ce soit à la base de l'argent massif. Qu'on va avoir avec par exemple les hôtels, les restaurants qu'on équipe ou qu'on a fait par le passé, comme par exemple équiper le Normandie ou des très grandes tables. On va équiper par exemple le Bristol avec Eric Fréchon, on a fait avec Yannick Aleno. Peut-être de 24 heures à pas loin de 100 heures de travail sur une pièce. Et là, on a des meilleurs ouvriers de France qui travaillent dans nos ateliers, sur des techniques bien spécifiques, comme par exemple le planage. Après, il y a énormément d'étapes pour arriver à la finition du couvert avec cet aspect qu'il a polymiroir. C'est vraiment un plus. C'est très agréable.